Trabelsi. Né à Casablanca, Nordin Naïbet s'initiera au football dans les ruelles de Derbe-Chorfa. Il ne fallut pas longtemps pour qu'il attire l'attention de l'Étoile de Casablanca avant de rejoindre les rangs du Wydad Casablanca où sa collection de trophées s'étoffe rapidement. Affichant un style empreint de maîtrise, Naïbet sera un libéro élégant doté d'une sérénité impressionnante. Il fera ses débuts sous le maillot des Lions de l'Atlas en août 1990 où il partagera le terrain avec des icônes marocaines telles qu'Aziz Bouderbala et Badou Zaki. Au terme de 4 saisons au sein du WAC, ses performances ne passeront pas inaperçues et susciteront l'intérêt de plusieurs clubs européens. C'est finalement au FC Nantes que signera Naïbet à l'été 1993 avant de le céder au Sporting Lisbonne l'été suivant. Une année aura suffi au ministre de la Défense pour s'imposer dans le championnat portugais. Naïbet assumera avec brio la responsabilité de la défense pour le club lisboète. En 1995, le club remportera le double en décrochant à la fois la Coupe et la Supercoupe du Portugal. Sa régularité sur le terrain continuera de susciter l'intérêt en Europe et son passage au Portugal lui offrira l'occasion de rejoindre le championnat espagnol dans le rang du Deportivo La Corogne, un cador de la Ligue dans les années 90 et 2000. Recruté pour une somme de 6 millions d'euros, son style de jeu et sa qualité exceptionnelle le hisseront au rang des meilleurs défenseurs du championnat espagnol et même d'Europe. C'est ainsi qu'il obtiendra le surnom de « ministre de la Défense ». Dès sa première saison, le Deport réalisera une performance exceptionnelle en se classant 3e de la Liga, juste derrière le Real Madrid et le FC Barcelone, tout en affichant la meilleure défense du championnat. L'apothéose surviendra en 2000 lorsqu'il deviendra champion d'Espagne en étant un élément clé de l'équipe. Il manquera de peu la réitération du titre la saison suivante en se classant 2e au championnat. En 2002, Naïbet connaîtra à nouveau la joie en remportant la Coupe du Roi contre le Real Madrid, en plus de décrocher la Supercoupe d'Espagne. Au cours de ses 8 années passées en Espagne, Naïbet sera régulièrement sollicité par de prestigieux clubs européens, dont Manchester United et le Real Madrid. En 2004, à la suite de la défaite en demi-finale de la Ligue des Champions contre le FC Porto, il prendra la décision de relever un nouveau défi en Angleterre, en rejoignant l'équipe de Tottenham pour un contrat de 2 ans. Au cours de sa première année, il connaîtra un franc succès en participant à plus de 30 matchs de championnat. Il marquera même un but lors du célèbre derby de Londres contre Arsenal. La deuxième saison sera moins brillante pour Naïbet qui perdra sa place de titulaire. En ce qui concerne l'équipe nationale, Naïbet demeurera un membre de l'équipe jusqu'en 2006, totalisant 115 sélections, ce qui en fera le joueur marocain le plus capé de l'histoire. En mettant un terme à sa carrière internationale, il laissera son empreinte dans l'histoire en ayant participé à 6 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations et 2 Coupes du Monde. Capitaine des Lions de l'Atlas et toujours très apprécié au Maroc, Nordin Naïbet sera toujours reconnu comme l'un des plus éminents défenseurs africains de l'histoire.